Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle playlist dédiée à des formats Zoom, des formats courts, de 1 à 2 minutes maximum. L'objectif aujourd'hui, c'est de découvrir la commande Docker History. Donc si on fait un --help, son objectif c'est quoi? C'est de regarder et de trouver, de nous afficher le contenu de l'historique d'une image. Donc si je fais un Docker Images pour lister mes images, ou Docker Image LS, c'est la même chose, Docker Image LS. Et bien si je prends cette image-ci, par exemple, peu importe laquelle, que je fais un Docker History dessus, qu'est-ce qui va se passer? Et bien on va voir la composition de cette image, du plus ancien, plus récent au plus ancien, donc la couche la plus ancienne est celle qui est en bas, la couche la plus récente est celle qui est en haut. Pour trouver la taille des différentes couches, donc savoir où vous allez pouvoir gagner éventuellement de l'espace si quelque chose n'est pas fait, sans installation de Dive ou d'autres outils. L'autre élément que vous voyez qu'ici la command line est donc la commande qui a généré la couche en question est tronquée, donc on peut utiliser le --no trunc tout simplement. Et là, vous voyez que sur la mise en forme, c'est pas terrible non plus. Et donc, du coup, on va pouvoir utiliser le formatting, le format basé sur du templating Go. Pour faire ça, on va passer le double accolade, hop, comme ceci, .id par exemple. Ici, on va avoir les ID des couches. Et sinon, on peut passer également, donc, récupérer la ligne de commande. C'est ce qui nous intéresse essentiellement. Et pour ça, on va appeler created by, comme ceci, toc, et voilà, du coup on retrouve la ligne de commande complète qui a généré chacune des couches. On peut retrouver la size bien sûr, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et le but c'est de savoir si vous connaissez ou pas ces éléments-là, et de les faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas. À très bientôt, ciao.